Je vais tout le monde se prendre ça pour une vidéo PVP sur la sur le Dofus Game. Hop, j'ai pas ligné avec ça. Hop, j'ai ligné avec ça, c'est parfait. Voilà. Donc j'ai aucun trophée inutile, j'ai enlevé le sien en prévision qu'il enlève. Enfin bref, vous m'avez compris. Je vais pas dresser que du sadis aussi, donc là je commence par du Stadida, et puis après on va voir par quoi je vais continuer. Rianal, je te remercie, t'es mon abonné le plus actif sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Continue comme ça s'il te plaît. Donc je suis en STMG, donc c'est cool. Ah là là. Ouais, donc tour classique, hein, double gélure, Doppel fuite. Allez Nichon, j'étais dans ma liste d'amis, donc s'il te plaît. S'il te plaît, fais l'effort quoi. De venir sur la map aglo. Donc il commence par une folle, chose qu'il faut toujours faire vs Xelor, donc bravo à lui. Flétrissement 3 PA, parfait. On monif. On met le cadran ici au final pour pas qu'il se fasse choper par la folle. Parce que la folle a 7 PO il me semble, ou 6 PO, je sais plus du tout. On décale bien sûr pour laisser la ligne de vie en mode Doppel. Ah là là, c'est simple, c'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Après, faut que je teste mes autres stuff et les autres classes. Donc là, c'est le stuff anti-Sadida. Gros Roxpo du monsieur là, donc c'est bien wesh, les deux trucs qu'il a fait là. Ça l'a pas mal soigné, donc c'est ce qu'il fallait faire. Frappe du Xel pour booster la synchro. On repasse avec une gélure, donc il va taper du 170 pour 0 PA. C'est assez oufissime, je vous l'accorde. Continue, double flétrie plus coup de cac, donc un tour à 1700. Sachant que j'ai dû poser la synchro, donc c'est pour ça que le tour de Rox était plutôt faible. Il va sans doute l'armée gonflable, même pas. Mais je crois qu'il est mort. À moins qu'il ait le 2 coco. Si le 2 coco il est encore en vie, sinon il est mouru. Il n'y a pas le 2 coco, donc il est mort. Je dois jouer safe parce qu'il y a des bugs affichage sur Dofus Game en ce moment, donc c'est assez chiant. Je vais le replacer là-bas. On va faire une flétrie. Une deuxième flétrie. Et mon cadran termine. Donc on va dire GG. Je mets en pause, je vous reprends quand j'ai notre agro à tout. Ouais, re tout le monde. Donc j'ai oublié de lancer au début, excusez-moi. Je suis VS Jackie and Michel. Ah, les vrais connaîtront. Donc il m'a dit s'il te plaît, je suis G3, donc on met pas de bouclier. Donc écoutez, je respecte l'adversaire, je mets pas de bouclier, ce qui est normal, je trouve. Voilà. Donc on va voir ce que le combat va donner. On fait une momification. J'ai combien de trucs PA? Ouais, 38, le pauvre. Il m'a dit qu'il est pas de boubou, je suis G3. S'il me sort des Srambad ou des Daguerri, je crois que je mets toujours mon boubou la prochaine fois. Enfin, je mettrai toujours mon boubou. Hop. On va couper ça, le groupe. Alors, suspense. Ou s'il me sort un marteau des égarés, par contre, ça va pas le faire non plus. On va voir. C'est un enfoiré, ce type. Oh putain. Non, mais il a pas le droit. Non, mais il me dit de pas mettre boubou. Il joue cac de main, mais c'est vraiment un enfoiré. Oh, j'en rigole, Tox, c'est marrant. Oh, les gens pas fair play. Ah, je suis dégoûté là, vous voyez. Enfin, j'en rigole, mais c'est pas cool de sa part, je trouve. C'est vraiment pas cool. Ça se fait pas, wesh. Tu dis pas à un gars de mettre. Ouais, non, je sais pas, c'est pas gentil, je trouve. Mais bon, tant pis. Hein. Voir si je le gère quand même.
Oh mais ah le pas de boubou, je vous le montre, c'est vraiment marrant. Attendez, c'est où? Le pas de boubou, je suis G3. Oh là là, mais c'est vraiment. Ah, je suis dégoûté, vous voyez. Ouais. 124 de soins, oh là là. C'est sale. Mais il va quand même mourir, comment il fait? Attends. Tu triches et tu vas mourir. Oh là là. La pêche, c'est vraiment pas cool de ta part, Jackie Michel. Vous avez vu, je dis Jackie Michel et pas Jackie Michel. Désolé pour les puristes, hein, mais. Oh putain. Ah, je suis blast de cet enfoiré. Vous allez voir, c'est shit. Donc, normalement, ça échange de place ici. What? On va faire péter tout. On roll back. Hop, et on termine tranquille. Ah, c'est vraiment un enfoiré, donc je vais pas, je vous retrouve après. À toute. Ouais, re tout le monde. Donc là, c'est V5 Xelor. Veste Xelor, je vais regretter, je pense, le mode que je vais sortir. Je vais tenter le mode R, alors que je devrais pas du tout. Je devrais jouer un mode retrait. Retrait PA, ouais. Ou est-ce que. Attendez, je vais voir si je mets pas plutôt ce mode. Ouais, il va l'unir. J'avais rendu avec ce mode. Attendez. Trophée, il est où? Fini à la place du DTG. Oh, normalement ça devrait passer. Voir ce que ça donne. Est-ce que je le regrettais? Est-ce qu'il me vole l'ini? Allez, ça me gave. Franchement, ça me gave. Ouais, donc voilà, c'est n'importe quoi. C'est. Bon, il y a 35 qu'est-ce qu'il fait hein, le pauvre, il va souffrir. Ah, j'ai 35 aussi. Ah putain, ça me gave. Le valini, c'est pour les noobs. Ma foi. Va dire que ça fait partie du jeu, les noobs, il y en aura partout. Donc, je mettrai un cadran en rollback pour mettre en téléfrag d'entrée. Et on va jouer le kick PA au plus possible. On va faire un ralento. Un deuxième ralento. Une orage. Voilà. Le Volini, je suis pas fan du tout quand même. Ah là là. Donc il y a 7 PA, tour de flou. Un boomerang perfide qui passe haut à moins 93. C'est pas ouf, tout ça c'est pas ouf. Je vais aller kicker son Doppel en fait. Enfin kicker, je vais aller niquer son Doppel. Parce que le Doppel il peut être chiant à retirer des PA, tout ça, tout ça. On va le tuer tranquillement, tranquille. Hop. Hop, voilà. Donc je finis pas parce que mon cadran va le finir et je momifie pour qu'il soit en état téléfrag en fait. Normalement il va pas me DP aussi, non même pas. Ça va être tendu parce qu'il a pris des nids, il faut que j'arrive à remonter tranquille. Même si j'avais des nids, bah, le combat serait plié rapidement quoi. Mais bon. Il n'a plus contre. Il m'a Rambo. Pas trop de problèmes j'ai envie de dire. Hop. On va faire une frappe du Xelor ici. Ah oui, je peux pas téléporter. Oh là là, je suis vraiment bête, mais vraiment. Vous savez quoi, je vais le Rambo.
Et je mets une contre. Ah c'est... Putain, j'avais oublié que j'avais téléporté sur lui. Parce que là, il peut me démonter la synchro. Très mal joué de ma part. En fait, il faut qu'il roll back. Ouais, ça se voit aussi. Ouais. Super fail de ma part. Il a pas pété ma synchro. C'est quoi ce Rox de merde? Oh là là, ce vieux Rox des familles. Quand tout simplement elle est là. Faire un chaf ici. Avec une TP là. Hop, la synchro, il met combien? 1100, ça passe plutôt bien. Ce à quoi on va rajouter du retrait PA. Ralento. Ralento. Ça veut dire Xelor. Plus flou. Voilà. Je dois pas avoir masse PA pour jouer son tour. En l'occurrence 5 PA. Tour d'après. J'ai tout cadran et crawlback, je vais pouvoir me replacer ici. S'il veut fuir, il peut fuir aussi, hein. C'est pas tellement un problème pour moi. C'est quoi, je peux me compliquer la vie, hein, faire un paradoxe. Voilà. Je vais pas me faire chier, comme on dit. J'hésite vraiment. Je vais ralentir, il y aura là, je vais ralentir. Horloge. Mon 3 PA, c'est parfait. Il va être replacé là-bas. Point de, je suis dans sa LDV, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool du tout. Le rollback, c'est très très bien fait de ta part, Rosie. Bon Rox tout de même. Contre, mais ça va pas servir à grand-chose. Allez voir. Petit combo à l'ancienne pour ceux qui se rappellent. Elle oublie B là. Voilà. Oh, je vais même pas me compliquer la vie, vous allez voir. On va faire un truc de noob. Tac. Je mets mon mif et je vais le rendre en tout. Et je bouge pas parce que je suis sous Rambo, ça sert à rien. Donc tous deux le dos coco. Si vous êtes Xelor, vous jouez contre notre Xelor, vous pouvez contrer la rembobinage en fait en mettant un cadran à votre place, en faisant paradoxe. Ce qui rend le cadran n'étant indéplaçable. Et du coup la Rambo ne marche pas. C'est une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Mais fais pas ça, booste-la un coup ta synchro avant de la faire péter garçon. Il est toujours sous contre, faut que je fasse gaffe quand même. Ouais. C'est pas tant dérangeant que ça. Si je roll back, j'atterris. Normalement, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il est en état truc? Ouais, il doit être en état normalement. À ça, je fais un subit du Xel. Et. Un flou parce qu'il a les PA de son flou à lui. Et je me casse vers là-bas. Voilà. Il n'y a plus que 514 points de vie. Sachant que j'ai galéré vu qu'il m'a volé l'ennemi en fait. C'est ça qui me fait chier. Ouais. Pourquoi pas. 114 PDV en tournant le début. Je pourrais quand même le finir, je pense. On va voir. Sachant qu'il est déjà en état de téléfrag normalement. Je perds à mon tour.
C'est assez gênant. Bégaye pas, garçon. Tu peux aller là. Avance d'une case, TP, casse-toi. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Voilà, casse-toi. Ouais. Mouais, mouais, mouais. J'arrive. Je pense que c'est la fin pour lui. Je vais mettre. Naragna. Les doubles flétries. On va dire GG. Donc à plus tout le monde sait faire de ça pour. Je sais pas combien de temps de PVP. 15 minutes. Allez. Bye bye tout le monde.